7 enfants. Nous avons 7 enfants. Ah ben, j'aime mieux. 25 petits-enfants et 37 arrière. C'est bien ça. Hein? Il n'y aurait jamais eu cette grande famille sans leur rencontre en 1929. C'est nos frères qui nous ont fait rencontrer. Nous avions tous les deux un frère prêtre. On s'est rencontrés d'ailleurs chez la curée. Et puis là, quelques jours après, eh bien, il est repassé à la maison. Moi, j'étais dans ma quincaillerie. Et on a causé comme ça un petit peu. Puis j'avais des amis autour de moi. Ils m'ont dit, ben alors, qu'est-ce que tu en penses? Mais je n'en disais pas grand-chose. Et tu as dit, il a un chapeau melon. C'était l'époque. Ça me posait. J'étais longue à me décider. Il m'a envoyé sa mère, qui est venue pour avoir une réponse. Il fallait que je dise si ça m'intéressait ou pas. J'ai dit à un moment, écoute, va nous voir si c'est du lard ou du cochon. Je voulais savoir, moi. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, ben, c'est d'accord. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à se marier ensemble. Elle a dit, c'est d'accord. Comme je ne trouve pas mieux, je vais m'en contenter. Non. Il invente, hein. Il aime bien broder. Vous avez été heureux? Oui. Quoi? T'as pas été heureux? Si. Si, mais c'est tellement naturel que c'est une question qui est idiote. Pardon. Voilà, bon anniversaire à vous deux, André et Germaine.